Hey yo tout le monde, c'est Screech, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 16 sur Xbox One pour un petit squad builder. Voilà, attendez, je quitte, j'étais en club pro juste avant. Voilà, Ultimate Team. C'est une Bundesliga, si je ne l'ai pas précisé. Allez hop. Non, ça c'est mon équipe concept parce que j'ai prévu de faire une BPL. La Bundes, parce que mon autre équipe s'appelle déjà Bundesliga, du coup ça aurait pas marché. Ça aurait été bien chiant. Alors déjà, niveau compo sera du 4-1-2-1-2 numéro 1 avec les ailiers. Or gardien, il est supra cheaté, je veux dire c'est Farman 80 général avec des stats assez complètes sauf en dégagement, mais bon, c'est pas ça le plus intéressant. Ensuite, défense centrale, Mehdi Benatia et Omer Toprak. Benatia quand même qui a une bonne vitesse de 65 pour après 86 et 83 en défenseur physique, et Toprak lui qui est très très bon avec des stats à peu près semblables, on va dire. Après, Ricardo Rodriguez pas vraiment rapide, mais ça se ressent pas sur le terrain sans air, avec une carte style ombre. Je vous laisse mettre pause hein, pour regarder à chaque fois les stats parce que je vais pas forcément répéter à chaque fois. Après, Dick Meyer, 88 de vitesse, très rapide, 74 de physique, sans rire, j'ai l'impression qu'il a plus. Luis Gustavo, 60, il est assez complet, sauf en tir, mais bon, c'est un MDC, il servira pas trop à grand chose niveau frappe. Après, Chourleux, il manque un contrat, pas grave, 89 de vitesse et 80 de tir. Bon, c'est parce que j'ai pas les crédits pour m'acheter Reus ni Ribéry, sans rire. Et après, Herman, 91 de vitesse, 75 de tir. On a l'impression qu'il a une meilleure frappe que Chourleux, sans rire. Parce que Chourleux, je suis pas très fan sur ce FIFA. Après, Çalhanoğlu en 10. 74 de vitesse, 78 de tir, etc. Il a les 5 étoiles, mauvais pied, 4 étoiles, geste technique, énorme tireur de coup franc. Après, en pointe, un duo de rêve. Lewandowski, qui a des stats assez complètes. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'il a 87 de général, mais il a que 85 en tir au lieu de 87 ou 88. Il a aucune stat à 87 alors qu'il a 87 de gêne. Après, Pierre-Emerick Aubameyang, la gazelle bien sûr. 95 de vitesse, 81 tir, 75 de passe et 71 de physique. Malheureusement, les deux attaquants, donc 3 étoiles geste technique. Si certains aiment vraiment le skill, je vous les conseille pas trop dans ce cas. Plutôt mettre du Chicharito ou autre chose. Bon bah bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Allez, salut à tous.